Reparti, mesdames et messieurs, sang et froid. Prochaine mission. Ouais, bah direct, on n'a pas le temps. Ok. On va mettre la lumière. On s'occupe des grands méchants. Oh. Oh. C'est des alliés, ça? C'est qui, ça? C'est qui a fait ça? Moi, je tire. Hein. Moi, je tire, on verra après. Cassez-vous! Cassez-vous! C'est des chars, putain! Je suis en... Alors, on a pris 3 missions sur un char, et là j'ai pris 2 minutes, enfin 2 secondes en dessous de... Comme quoi les chars ça se pète vite en fait. Des alliés? Non, c'est pas des alliés. Une putain de DCA sur le passage. Ouh. Ça dégage. Putain, mais c'est que des chars ennemis en fait. Je suis en train de dire où est-ce qu'ils sont les copains. Bah y'a pas de copains. C'est que des chars méchants. Ça dégage. Oula. Ok, je préfère peser les véhicules. Bon, on sort. Bon, on sort, c'est parti. C'est un char ennemi, ça? Non, ils vont pas autoriser à le détruire. Donc on décharge les copains et on y retourne. Ok. Là, c'était de la reconnaissance de base. Mais y'a personne. Ah, si. Bah, dites-le moi. Moi, j'aide un petit peu. Voilà. Si, y a moyen d'aider. Bah, ok, vous me laissez tout seul. Coup dur. Ok, je vois les fumigènes. Me faites pas laguer, j'en ai toutes les cas. Ok, il va falloir aller sur le point d'extraction. Enfin, bah, il va falloir ramener à un point d'extraction. Ok, on sort ici. 2 km au nord, on vient de les faire les 2 km là, c'était rapide. Il y a Garcia, il y a Walker, c'est plus copain. Ok, il va falloir se battre. Quoi? Ok, on a 3 minutes. Enfin, 3 minutes in game, hein. The Age of Minutes. Ok. Nice. Ils sont nos gars. Ouh. Détage. C'est moi. Salut les potes. Comment on va? Alors, c'est vous le taxi? Oui. Dégageons avant qu'il ne se retrouve. Ok, je suis là. C'est un hélico allié ou ennemi ça? Je les ai pas maintenant. Non mais j'ai arrêté, je tue. Hein. Oh, relou. Esquive. Merci. Ok, on peut tirer sur les surfaces, n'oubliez pas. Laisse-moi passer Garcia. Ah bah la Zeda, là, elle a pris un cher. Ils étaient partout. Après, c'est notre première arme idéologique, c'est cool. Salut, copain. C'est nous, le taxi. Alors, c'est vous, le taxi. On y est, capitaine. Ou qu'est-ce qui sort comme ennemi? C'est tout? Ok. Ça dégage.
Ça dégage, ça dégage. Mais bouge! Putain! Un relou lui! Relou sur 20! Putain, les coups de crosse! Font tellement mal! Ok. Bouh! Ok, on y va, on y va. On va y arriver, hein. Non mais c'est pas facile. C'est pas facile toujours. Ok, voilà, on a les alliés qui sont là. C'est ça le Mark 19? L'engin nucléaire. Les équipes de nos forces doivent se réfugier à l'est jusqu'à que l'engin soit sécurisé. Ah! Ah, il y a une bombe. Tu vas gérer? Tu... Ok. Du coup, on fait quoi? On le sauve? Ah, on va se poser là. Et on va se poser pour aller les sauver. Non, non, parce que après. Oui, t'inquiète. Mais vous êtes sûr de vouloir la sauver, la meuf? C'est pas grave. Vous voulez vraiment qu'on la sauve? Parce que y a une bombe après. On n'est pas obligé. Bon, allez, on arrive. On va aller la sauver, la madame. Sauver le pilote en 1 minute 30. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Ok, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Allez, viens, ma cocotte. J'arrive. Et plutôt deux fois que j'arrive. Aïe, oui. Vous pouvez pas me sauver la vie sinon. Ok. Ok, dépêchez, dépêchez. Vise auto, vise auto, vise auto. Tu spammes la visée et le tir. Voilà, tu fais que des cibles. Voilà, vise auto. Ok. Menace nucléaire. Ah ouais. Ah ouais, menace nucléaire. Je te tire. Je t'ai pas tenu très longtemps. Désolé. Ah ouais. Belle menace la nucléaire là. La nucléarité des rollers là, fou. Bon, mais maintenant faut sortir d'ici. Hein. Ah oui. Ouais, ça fait un joli petit trou quand même. C'est pas nous, hein, c'est pas les Américains. Hein. Paul Jackson, c'est nous. On nous voit. On fait partie des gars qui se sont pris la bombe. Ça fait, ça, on était quand même beaucoup. Scanning et on va nous voir. On a atterri un petit peu mal, mais on est vivant. Alors. Bombe nucléaire sécurisée, j'avais peut-être pas trop la définition. Pas vous mentir. Là, j'y étais pas. Y'a plus que moi de vivant.
J'espère qu'on est plusieurs. Hein. Aïe, j'ai pris cher. On s'est pris une bombe nucléaire dans la paume. J'ai juste envie de dire ça. Je suis quand même allé vérifier la porte, excusez-moi. Ouais, mais moi je suis pas sûr. On avait. Ne serait-ce que. Ouais, si, ou si, c'était fermé. Autant pour moi. Ok. Ah. Toi aussi t'es vivant. Ah, mais toi aussi t'es vivant. On s'est vraiment pris de bombe nucléaire dans la pelouse. Ah ouais, on s'est tous pris un truc quoi. Ah c'est bon, je peux me relever. Ah bon, enfin. Ça va toi? Oh, ok, ça va pas. Ah. Bah écoute. Oh ouais. On s'est vraiment pris un sale coup dans la gueule quoi. La bombe nucléaire. Il a fait exploser une bombe nucléaire dans son propre pays le gars. Statue Kia. Portée disparue en gros. On s'est brouillé. Quelque part, non, c'est pas. Ah, Nikolai! Bah, enfin, tu nous donnes des bonnes coordonnées. Gaz rassemble l'équipe. On va en Azerbaïdjan. Oui, j'ai entendu dire que c'est très beau à cette période. J'ai entendu dire que c'est très beau. Mais surtout, il s'est caché en Azerbaïdjan? Cachette. Nord de l'Azerbaïdjan, sergent Saul. Allo, y'a Tarskovski? Alassane est dans le village. Les ultranationalistes le protègent. Merde. Parfait. En avant. Bah non, on le protège. Ouais, si vous voulez. C'est quoi ça? Ah. Bon sang, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ok. Vous savez que j'ai fait tout le jeu en vétéran. Hein. Ils massacrent les villageois. Pas pour longtemps. Oh non. C'est du silencieux, c'est du silencieux. Il est où Kabarov du coup? Parce que toi t'es là, Tarkovitch. Ah non, on attaque direct, pas peur. Bon, hein, écoutez, faut pas me le dire deux fois. Ah mais par contre, vous auriez pu dire qu'il y avait beaucoup de monde. Parce que nous on vient de se prendre une bombe nucléaire dans la mouise. T'es un ouf toi. Ok. Excusez-moi, c'est moi, j'ai tiré sur sur Cable. Ok. Mais ça va, je suis vivant. Ok, je sais pas où faut aller, mais j'y vais. Aïe, aïe, ouille, ouille, ouille. Arrête, arrête, arrête. Mais putain! Ouais, bah, je me prends des balles depuis tout à l'heure. Moi, je suis allé trop vite. Les objets de traçant marchent dans les deux sens. J'ai pas compris. Mais, d'accord. Alors que ça. Alors que ça, en fonçant par là, comme ça, là. Voilà. Faut pas me le dire deux fois. Aïe, oui, oui, aïe, oui. Cable, dégage. Non, c'est un pote à moi, ça.
Visez auto. Confiance à la visée auto. On a confiance. Propriété des jeux vidéo que jamais ça ne sera relevé. Hein. Bah va viser en manuel là tout ce que tu vois. Y'en avait un derrière qui m'a mis un coup de crosse. Tu es trop vite. Aucun plan de bataille ne survit au contact de l'ennemi. Oui, mais stratégie quand même, hein, faut pas exagérer. On reprend vraiment là, quoi. Après tout ce que je viens de traverser. Ok. Ok. Voilà, ça dégage. Ouh. Vise auto, on a confiance. Alors la vise auto, elle marche pas tout le temps. Je sais pas, ça servira peut-être. Pour sur l'extérieur du bâtiment. Pas si ça marche. Non. J'ai envie de péter. Non, péter des câbles. J'ai pas fini ma phrase, calmez-vous. Je vais trop vite et je fais de la merde. Mais ils sont vraiment nombreux. Alors déjà, ça y est. Ça ici, tiens. Ok, ah bah ouais, et là on est en seconde classe, imaginez que j'ai fait le jeu en vétéran. Hein. Ok. Allez, on avance. Ok. Ok. C'est bon? Voilà, ça dégage maintenant. Ah oui, c'est vrai que de 5 je les ai envoyés à attaquer des trucs. Ça dégage. Et ben voilà qu'on s'essaye. Ok, petit bâtard. Ok, ça dégage. Mais cachez-vous là, on dirait des méchants de merde. Là. Oui, bon, j'ai pas besoin de vous pour l'instant. Ok, alors Mojang 2-5. Toujours pas eu de point de contrôle là, je préviens. Non. Il y a quand même du monde, hein, donc c'est possible qu'elle soit là. Vous êtes où, bande d'ultranationaliste? Ok, visite du bâtiment. On va visiter par là, mais je sais pas si on va aller par là. Bâtiment safe visé. Salut gaz. Je sais pas où faut aller. Pourquoi ils me disent d'aller là-bas? Ah oui, il faut vider les bâtiments. Ok. Prendre contrôle. Ah mais vous êtes là. Mais putain ça. Je vais te péter des câbles, je sais pas où il faut aller.
ça respawnait là, je suis là, on est d'accord. Ils nous disent sinon d'aller en bas par là. Ah, ok. Donc faut que ça soit bon sur ce bâtiment aussi. Donc faut le vider. Merci. Ça dégage, ça dégage. Ok, faut vérifier le bâtiment. On en a un bas. Je m'en occupe. Ok, ça dégage. Ok. Je m'en occupe. Bâtiment safe. Ah non, c'est un allié. C'est Gaz et Price. Ok. Bah, c'est bon pour ce bâtiment, les gars. C'est bon pour ce bâtiment. Bâtiment dégagé. Vérifions le suivant. Ok. Bougez, bougez, bougez. Prochain bâtiment, 100 mètres par là-bas. T'es ouf, toi. Casse-toi. Ok, faut monter. Ça doit être le bâtiment là. Place à la vérification du bâtiment. Il y a du monde dans le bâtiment. Vérification annulée. Fais une petite pause sur la vérif. Ok. Ok, ça dégage. C'est des alliés, c'est des copains. Il est pas là, votre Alessade. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Après, je vais aller voir le prochain bat. Ouais, là, je le sens un petit peu plus mal déjà. On va faire vérifier ce bâtiment-là. Ok. Ouh, ouh. Ok, c'était Al-Assad ? Pourquoi avoir fait ça ? D'où vient la bombe ? C'était Al-Assad. Qui alors ? Mon Ali Dagoulak. Qui ? Je veux un nom ! Un nom ! Je veux son nom ! Zverev. Enfin, Zver ou Zverev, un truc comme ça. Eh oh 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 ! Chef ! C'est son portable. Méchant l'Assad. Ah, autorisation de l'éliminer. Je crois. Zakaev. Zakaev, autant pour moi. Imran Zakaev. C'est Zakaev qui contrôlait tout. Ok, on retourne en Russie. Côté de Kiev. J'étais juste un lieutenant à l'époque, à faire le sale. Ah oui. Tchernobyl. Noël. Tchernobyl. Même 10 ans plus tard, je suis allé. Y compris un certain Imran Zakaev. Retour dans le passé pour voir. On ne pouvait pas les regarder sans rien faire. Laissez séparer ce pays du plus difficile à dire. L'hiver nucléaire, c'est pas ma saison préférée. C'était la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que notre gouvernement autorisait un assassinat. J'étais sous les ordres du capitaine McNair. Il fallait le tuer. Il y a 15 ans. Lieutenant Price. Mais pas capitaine, hein.
Avec mon petit M21 silencieux. On était que deux, hein. Attendez, je finis mes bonbons. J'ai faim. Ah bah c'est les derniers. Attendez, je mangeais moi. Attention, il y a des poches de radiation dans toute la zone. Si vous en absorbez trop, vous êtes foutu. Ouais, faut faire gaffe ça. De toute façon, faut juste le suivre. Ok, on attend. Toi, t'es vraiment décamouflagé quoi. Alors impossible, je dirais pas ça. Je prends lequel, celui de gauche ou de droite? Ok. Ouh, pas facile. Et j'ai un petit pistolet silencieux au cave. Ok. Je te suis. Quatre ennemis à l'intérieur. N'y pensez même pas. Ah, faut éviter. Attendez. Je le suis, hein, et je sais pas pourquoi il me voit, on est potes, quoi. Éliminez le sans bruit ou laissez-le passer. À vous de voir. C'était pour tirer, parce que c'est longtemps que j'avais pas tiré. Ok, je te suis. Qu'est-ce que tu fais? C'est parti. Un pas à tour, ok. Je le vois pas, le guetteur dans le clocher. Si, il est là. Ok, je l'avais pas vu. Autant pour moi. Vous avez le guetteur en vidé? Oui. On est repéré, à couvert. Quoi? Quoi? C'est bon? Mais non, on a été repéré. Ok. Ah, c'est par rapport à celui que j'ai tué derrière. Je me demandais pourquoi on a été repéré. Ou parce que je lui ai mis qu'une balle. Et du coup, à partir du moment où tu le one-shot pas, il considère que t'as été repéré. Non, oui, non, mais je sais pas. Je sais même pas ce qui a fait, qui a causé ça. Oui, bah excuse-moi, connard. Relou lui. Je te suis. Ouais. Bah des méchants quoi. Zone dégagée. On avance? Je te suis hein. Ah, c'est plus beau à côté de mon champ. C'est beaucoup plus sombre. Il y a beaucoup de luminosité en fait. Je vais la baisser un petit peu. T'as les deux écrans à côté là. C'est beaucoup plus beau de ce côté là que ce côté là. En termes de luminosité, c'est chelou. Vous me laissez tirer. Eh hey, mec Mylène, tu me laisses tirer. Là je suis caché. Ne pas tirer. Tu me dis hein, quand on y va. Hein. En avant. Ah, ok. Ok. Alors en avant, oui, mais
Ok. Ouh. Il a pas dit grand chose, hein. Allez, on continue. Je te suis, hein. Je vois rien, mais je te suis. Ah, c'est tout ce monde là? Ça a donc ça. Non, ça va pas passer. Si ça passe. Bah oui. J'étais derrière McPiden, c'est pas passé. Bah oui, c'est pas passé alors que j'étais juste à côté de lui. Taras. Ah oui. Vite. Restez derrière lui. Toujours rester derrière lui. J'ai confiance en lui. Faut vraiment le coller au cul. Ça va pas passer, hein. Moi je le sens pas. Ok. Mais l'autre, j'arrivais sur ses jambes, quoi. J'ai envie de casser les briques. Ça passe là? Ça passe. Ah, je préfère ça. Je préfère ça. Bah ouais, mais ils envoient des tanks et toute l'artillerie aussi, ces petits bâtards. Ça passe. Ok. On était assez bien cachés. Ouh. Joli camouflage. Oui, il en reste? Ah, il en reste à gauche. Je vais rester près de toi encore. Je suis bien ici, moi. Je vais le coller le cul. Je vais lécher le cul, mais c'est ma faute. En tout cas, t'as un joli feuillage. T'as un joli feuillage, mon coco. Tout. Qu'est-ce que c'est? Ah non, mais ils ont déployé une armée. Ou c'est que des trucs vieux qui marchent pas? On dirait qu'ils ont déjà éliminé ceux qu'ils ne pouvaient pas acheter. Par là, en avant. Je te suis, hein. Je sais pas ce que tu veux qu'on fasse. Du coup, on fait comment? Mais quoi? Mais t'as pas tiré! Il a pas tiré. Ah, mais y'en a là! Allez, tu dégages. Non, mais j'ai envie de casser des briques. Surtout, on a une M21 de mort, quoi. Ah bah c'est toi? Bah ouais, mais bon... Tu me le dis pas. On devait tirer ensemble. Bah non, surtout quand t'es con. C'est de ta faute, hein. Non, non, mais c'est de sa faute, en vrai, c'est pas la mienne. Ok, on continue. Tellement, putain, j'ai envie de casser les briques. Bah, je suis dans l'ombre, regarde. Je suis là, ok. Oui, t'inquiète. Tu me dis quand on l'attaque. Restez baissé
Vas-y. Oh, Suzy. Suzy. Il est silencieux. Moi, ça me bat. Il est où ta patrouille? Quoi? Quoi, on est repéré? Je l'ai eu, discrètement. Voilà. Ça passe, mais putain. Je... Il était pas affiché, lui, sur l'écran. T'es où, copo? C'est bon. Non? S'il en reste, tu me le dis, moi je m'en occupe. Il en reste un, par exemple. Il en restait un, autant pour moi. On se fait repérer à chaque fois. On va pas y arriver, on va pas y arriver, jeu de mort, là. Ouh. Ça fait du monde. Ça fait du monde, t'es sûr de vouloir avancer? Non, non, mais c'est chaud. Je suis là. Je suis là, hein. En avant. Ok, colle le cul. On colle le cul au cas où. Non, mais je préfère. On colle le cul au cas où. Ça passe. C'est censé passer, hein, dans la théorie. Non, parce que là, une fois sur trois, vous êtes repéré. Bah, nique ta mère, à force, hein. Ah, ok. Bonjour. Ah, tu vas plus vite que moi. Laisse-moi te lécher le cul, s'il te plaît. Vraiment, là, on sait pas faire pareil. Sachant qu'on a pas beaucoup à tuer en plus. Hein, si vous voulez, je les tue tous. Moi, ça me va. C'est pas... Tu me laisses pas en tuer, hein, s'il te plaît. Patience. Ne faites pas de conneries. S'il te plaît. Regarde. Les rotules. Là, il peut perdre sa rotule gauche. Laisse-moi le détruire, sa rotule gauche. Hein? Attendez. Allez. Bon, bah, c'est relou, mais on y va. Moi, je suis frustré. On va où maintenant? Explique, dis-le, bye. Dis-le. Prêt? Allez. Ok. Mais vas-y! Envie de te tuer. Capitaine. C'est bon? Plus un geste. Merde. On continue. Par là. Ouais, je te suis. Ouais, bah je te suis. Ne bougez pas. Un sniper. Quatrième étage. Droit devant. Éliminez-le. Ou il va révéler notre position. Merci. A plus. Putain, je l'avais pas vu ce sniper. Ah, arrêtez de me faire laguer. En avant. Bah, en avant, tu l'as dit deux fois, hein. Je suis là. Hein. Ok. Zone dégagée. C'est bon? C'est bon, là? Ah, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. On arrive dans les bâtiments, là. On arrive... Stop. Laisse tomber, c'est un chien sauvage. On tue les chiens, du coup? Moi, je sais pas. J'aime pas ça. Quoi? Putain, le petit bâtard.
Allez, me dis le tard. Il y avait 50 chiens qui venaient sur ma gueule. Fallait pas acheter dessus. Je sais pas, je me suis dit, venez, on tire sur le chien. Comme quoi la nature te dit non. Bande de connards. Bande de connards. Ok. Je vais pas tirer sur le chien. C'est pas un kleps, c'est un monstre. Bah, c'est pas grave. Gardez vos distances. Inutile d'attirer l'attention sans raison valable. Oui, oui, t'inquiète. Par contre, il bouffe un cadavre humain là. Tranquille, tranquille. Tranquille. Mange ton chien. Enfin, mange ton humain, du coup. Allez, viens. Allez, viens, parce que ça va être la merde. Ok, on est arrivé. On est arrivé... Non, c'est pas ce bâtiment. Mon souvenir, c'était un grand bâtiment. C'est peut-être pas lui, en fait. Ça, elle est longue, cette mission. Je m'attendais pas. Ok. Ouais, bah ouais, je sais, Matos, c'est du verso. Tout le monde le sait, en fait. Les gens se sont sacrifiés, tout blabla. Tu viens? Ok. Ouais, je te laisse avancer. Je te laisse avancer parce que ça sent la merde. Ok. Quoi? Mais je viens de me cacher pour toi. Fallait pas se cacher. Excusez-moi. C'est ce bâtiment. C'est là. Je m'en souviens. Voilà, je m'en souviens. Ok, c'était ça. Ah, autant pour moi. Allez, maintenant la petite animation. C'est pour ça que chaque fois qu'on démarre le jeu, on voit la grande roue. Donc pour ceux qui veulent savoir. On attend des heures. On attend 12 heures, je crois. Non, plus. 24 heures. 36 heures. Longtemps, putain. C'est bien où ? Allez, on met pause. On dit bisous.